Compatriotes haïtiens frères hommes, comment nous y est? M'espère en forme, n'a kembe. Jeudi, c'est vendredi 27 septembre 2024, dernier vendredi dans mois. Et mois septembre là, li sous dernier bout li, sous dernier ligne droite là pour la faire route li. Et nous connaissons pour un pile zami, mois ça, c'est ton mois qui était très éprouvant. Mais jusqu'à présent, nous là, n'a continué bataille là. Quelques parmi grands points qui a dominé l'actualité, discours Edgar Leblanc fils dans tribune Nations Unies, li la gon marché pressé dans mi-temps international. Gagné des sénateurs et députés américains qui ont même écrit administration Biden qui cassé mettait dans main dirigeants américains. Nous prenons gagner tout détail parce que Edgar Leblanc dit une proposition claire dans la tribune Nations Unies sous ça qui gagne pour avec question insécurité pour te lancer un appel général by tout acteur yo qui ont même yo contribué zam ak balap soti la kayo. Eh bien, dans ce sens, gagné un groupe parlementaire américain qui yo même yo réagi et mette projecteur sur l'administration Biden dans la question zam ak bal. Dans pays la France, jodi an Emmanuel Macron, président français, a depuis prend un grain soulier alors que président était en déplacement, eh bien, même français yo yo campé pour yo mandé Emmanuel Macron payer Haïti l'argent réparation restitution. Nous gagnons une vidéo, nous gagnons une image, nous pral partager avec vous. Toujours dans l'intervention Edgar Leblanc qui t'a mandé dirigeant français ou qui t'a mandé la France pour yo rembourser nous dette de l'indépendance. Nous gagnons et docteur Jim Joseph qui vient avec une formule. Et sous base formule ça, et en 2004, nous songeons, Jean-Bertrand Aristide lui demandé 21 milliards. New York Times te mette article de yo qui te évalué la 40 milliards. Eh bien, journée aujourd'hui, compatriotes haïtiens fraîcheur, avec Formeza, eh bien, pays d'Haïti a bénéficié plus que 800 milliards de dollars américains. Nous prenons partager formule si là avec vous dans un petit moment. Drapeau maré ceintu, pasteur Moïse. Ou papa dit selon papa perdit petit li, l'on en situation difficile ou pas capable encore. Eh bien, pasteur Moïse qui vient pour dénoncer un complot qui a manigancé sous le pays d'Haïti, qui gagne acteurs internationaux là dans lui. Eh bien, je dis pas qu'à qui me bagay ça pour ne pas partager là avec vous. Parce que dans le dernier jour, ça y a effectivement, nous, ouais, et même le soutien international là, donné on a changé là avec discours Edgar Leblanc, mais très certainement complot pi fort passé en gars. Nous connait petit proverbe ça, si ne pas dénoncer complot, eh bien n'a prendre complot. Compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est autant de formations nous gagne pour nous partager avec aujourd'hui en émission. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification, comme ça vous prêtez connecté avec nous ou pas prêter aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Et n'a pas gagné pour nous faire retourner dans le discours Edgar Leblanc. Mais nous pas trop arrêter sous lit. Et parce que hier dans l'après-midi, nous avons fait un gros exercice côté. Gagne trois moments forts dans l'intervention Edgar Leblanc qui a attiré attention mais qui est extrêmement important pour nous partager avec le pays. Et premier temps fort dans l'intervention Edgar Leblanc, dans l'intervention président CPT, c'est officiellement Edgar Leblanc lui adressé une demande by Nations Unies pour transformation force multinationale. Parce que il y a un pile monde qui focalise sur question vert de l'eau, pour de l'eau, etc., etc. Il y a plus focalisé. Même pays voisin, nous, pendant, discours Edgar Leblanc, li fait, dans moment là, dans presse internationale, dans c'est de l'autre bagaille, il a parlé de Haïti, il n'a pas parlé de gang, il n'a pas parlé de crise humanitaire, il n'a pas parlé de insécurité, mais il a parlé de moments forts, de points forts, de temps fort dans l'intervention, là, quand voisin, yo plus focalisé yo même sous pot de loi. Donc nous même nous pas karete dans trivialité ça yo, gen bagay important tout. Gen bagay important, gen des demandes que Edgar Leblanc t'a adressé
qui ka mette avenir pays d'Haïti non un an, non 5 ans, non 10 ans, peut-être même non situation qui est un peu difficile et voire très compliqué, nous supposer qu'a alerter nous sous lit. Nous gagnons une première partie et vidéo nous pral partager côté Edgar Leblanc ouvertement, publiquement, officiellement, et c'est ça qui est extrêmement important. Bliez tout le monde, je dis, au songe grain de Moussa, officiellement. Edgar Leblanc, li opte, li mande transformation et force multinationale là pour faire tourner yon mission Nations Unies. Donc, déjà là, m'pral invite nous et pour nous tendre ensemble avec moi. Et nous pral faire mise en contexte parce que gen pile bagay Edgar Leblanc dit et nous pral bay des détails sous li. On nous attendé ensemble avec. Les forces de sécurité nationale avec l'appui de la mission ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup néanmoins reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Voilà, nous sommes tendés. Intervention Edgar Leblanc. Et dans le discours, franchement, ils ont fait un travail pédagogique, ils ont fait un travail intellectuel, ils ont fait un travail qui est très rigoureux. Parce que il y a deux choses qui passaient dans 1 minute 43 secondes. Il y a deux éléments importants. Dans 1 minute 43 secondes, première bagay Edgar Leblanc fait, li font rappel de séquelles mission Nations Unies antérieures, ça qui passait déjà. Côté dernière nous te gagnons, c'était MINUSTAH. Séquelles MINUSTAH qui étaient conséquences graves, viol sous forme actif, sous garçon tout, oh oui, et question choléra, attaquer et voler bête paysan, manger bête paysan, violation droit moun, etc. Avant que Edgar Leblanc li tombe dans la transformation force multinationale, li assure que au départ, li fait rappel. La. Parce que pas oublier 30 septembre, li a déterminé dans la tribune Nations Unies. 30 septembre, yo pral discuter sur avenir force multinationale la, et sous possibilité de transformation force et mission pour yo faire tout nos mission Nations Unies. Si nous-mêmes qui en Haïti comme dirigeants, nous pas tirer leçon de ça passé, les erreurs du passé. Nous on y débarqué dans la tribune dans tant que cabrit et puis nous demander pour yo faire transformation. Nous gagne la Russie, nous gagne la Chine dès le départ qui était toujours opposé avec toute idée intervention Nations Unies en Haïti parce que yo dit peuple haïtien et ouais ça de très mauvais œil, peuple haïtien pas accepté, peuple haïtien pas d'accord, etc. etc. Le gars li rive dans tribune rappelle ça montrer que équipe transition qui là yo t'a tiré leçon de passé a et yo pas prêt yo même pour reproduire même erreur là. Et si nous t'attendons bien, nous ouais que Edgar Leblanc lui même lui dit que avec transformation mission,
C'est une occasion peut-être yo gagné pour yo redorer blason yo pour gagner changement qui fait dans mission pour gagner respect droit moun pour pas gagner violation etc etc. Li fait non seulement pour le mettre en confiance dirigeant Conseil sécurité Nations Unies. Li fait tout pour montrer peuple haïtien que ça qui t'est passé dans verre là pas passer dans tement. Nous te konnen te gen violation, nous te konnen bagay yo te critique, nous te konnen bagay yo te grave, et bien nous-mêmes, c'est vrai nous mande transformation, mais nous tout di yo, nous pas pran même bagay la nan men yo. Donc est-ce que nous là vraiment dans séquence ça, dans paragraphe ça, dans 1 minute 43 secondes franchement pour Edgar Leblanc est en fait, li fait rappel là. Li fait mise en contexte raison que yo mandé intervention yo mandé transformation force et li tout profiter du même coup dit peuple haïtien nous connaît ça qui t'est passé à nous mandé c'est vrai mais tout nous dit yo nous paraît pour nous veiller donc là franchement non texte ça et discours ça franchement. Et gen bagay ki di la dan li ki te important pou nou pran tan nou pou nou pran san nou pou nou et faire appel la. Mais mal tombé sou on vidéo Fritz Alfonjan 2022. Parce que moi même toujours dit, m pa la pou m chercher la petite bête, m pa la pou m gâter manger moun yo, mais m voulè nou comprendre là c'est politique ka fait. Depuis c'est pas équipe, depuis c'est pas moun pa ou depuis c'est pas ou ka fèl, nèg pa bo ici, yo toujours gen tendance craser, yo toujours gen tendance cracher et sous des décisions que moun ki sous pouvoir yo longtemps yo konn pran. En 2022, qui est-ce qui était sous pouvoir? C'était équipe Ariel là. Et le ça Ariel li mandé force multinationale, li mandé pour Nations Unies, li mandé pour gon kout mek pou vin ba Haïti. M'pral fè nou tande ki intervention, ki déclaration, même Fritz Alfonjan, président Accor Montanal, te fè. Alors, ce que jounen jodi an, le Edgar Leblanc pale, li pale parce que à l'unanimité, en sérieux, n'ap d'accord avec moi. Discours Edgar Leblanc, intervention Edgar Leblanc, position Edgar Leblanc, sous transformation force multinationale, là, c'est pas personnel quand même. Son décision commune de conseil présidentiel transition, n'ap d'accord avec moi. Parce que préalable, c'est qui ça te. Pour yon faire partie de CPTA, il faut que tu acceptes que gagne force multinationale qui déploye. Donc, on va regarder, deux ans de cela, qui déclaration Fritz Alfonjan lui-même li te fait sous question mission Nations Unies, sous question force multinationale. En allez, pour rappel. C'est une honte nationale. Pour en 2022, quelqu'un monde préféré a demandé et l'autre monde. Tant d'interventions contre sec capitaine la pluie, au lieu de travailler pour un consensus suffisant pour nous avancer. Quand il faut la raison, il dit, ce n'est pas intervention force étrangère encore, cap ban nous chimère, mais c'est plutôt consensus pour nous camper. C'est une honte nationale. Pour en 2022, quelqu'un monde préféré a demandé et l'autre monde tant d'interventions contre sec capitaine la pluie, au lieu de travailler pour un consensus suffisant pour nous avancer. Voilà. Je viens avec vidéo, ça, c'est pour me faire un petit rappel, pour montrer nous mauvaise foi qui connaît par rapport aux politiciens ici. L'heure, il y a en 2022, il y a demandé force, même Fritz Alfonjan, même président de Montana, je ne dis pas, ils sont président CPT. Eh bien, l'interdit son honte nationale parce que le sale est de leur pouvoir, parce que le sale pas de pouvoir, parce que le sale pot ko chef, parce que le sale pot ko met se valet l'interdit. Donc, je ne dis pas, nous avons acquiescence sur Antonio, acquiescence sur tout météo d'accord pour demander transformation force multinationale. Donc, est-ce que nous comprenons? Nous, la logique, là, depuis que nous avons parlé de politiciens en Haïti, l'un d'entre eux font déclaration, toujours garder, toujours pour un petit recul. Avant de faire pour te bourrer, toujours pour un petit recul, font un petit bac pour garder, pour dire, est-ce que c'est pas parce que les gens ont eu le pouvoir qui fait un comportement ça, qui fait une réaction ça, qui fait un camper dans le bord ça,
Si nèg yo te nan pouvoir, ou quoi ces décisions ça yo t'a prend? Ou quoi ces réactions ça yo t'a gagne, yo t'a posé? Ou quoi ces comportements ça yo t'a gagne? Et puis ou ap comprendre pi bien le jeu de la politique en Haïti. On ap comprendre pi bien. Bon, ça c'était premier phase dans intervention et président Edgar Leblanc qui t'a attiré attention nous côté que il t'a demandé transformation force multinationale. Deuxième élément. Nous gagne Edgar Leblanc fils qui fait déclaration dans tribune Nations Unies côté il était penché sous question réparation, restitution et dette indépendance. Et rapide vite, est-ce que li pa ta important pour me faire nous tendre yon séquence et même l'homme qu'on est nous toutes nous bon nous t'es au courant bon nous t'es au courant depuis hier me dépasser dans l'émission hein censé toute bagaille ça li viral côté que Edgar Leblanc li mandé la France pour yo payer Haïti l'argent dette de l'indépendance yon dette qui pesait lourd sur l'économie suivant déclaration des historiens, des économistes, des politologues, etc. Et parce que si yon pat fait depuis 1825, yon fait nous payer un volume l'argent sous plusieurs décennies, de sorti 19e siècle, rive 20e siècle, yon fait nous payer un paquet l'argent. Et l'argent ça qui était à l'construit Tour Eiffel à Paris, l'argent ça qui était à renforcer l'économie française, alors que c'est nous qui te battu. C'est nous qui te shooté Bouddha yo de yo. C'est nous qui te cassé kotyo. C'est nous qui te chassé yo. Mais c'est nous qui nous fait nous payer pour pou reconnaître la liberté. Moi, franchement, je toujours cherché à comprendre l'idéologie. Je toujours cherché à comprendre véritablement qui ça qui caché derrière. Et penser ça nous fin baton group moun si nous ka battre c'est parce que nous t'es plus fort passé yo si nous ka battre c'est parce que nous t'es meilleur que yo si nous ka battre c'est parce que nous t'es déterminé passé yo si nous ka battre c'est parce que nous t'es un objectif bien déterminé bien précis qui c'était liberté donc comment faire nous fin battre maintenant pour nous prendre liberté et puis pour nous accepter payer maintenant encore pour reconnaître liberté à l'époque franchement par contre qui ça t'a motivé dirigeant yo autorité yo pour yo t'a accepté payer la France pour reconnaître indépendance nous mais moi même journée jodi on rete quoi nous t'a fait deuxième bataille avec yo nous t'a doué frapper yo saccager yo encore pour yo reconnaître liberté mais nous payer le prix fort nous payer fréquence a RDS jusqu'à présent n'a traîné fado à soudon Edgar Leblanc li mandé la France pour payer nous pour reconnaître et pour payer nous dette de l'indépendance ça yo té prend l'argent en main nous pour yo té reconnaître nous gagne une vidéo extrêmement importante nous pral partager gagne yon québécois qui rencontré avec et Macron et franchement t'a pral mandé Macron pour le rembourser nous pour yo payer nous pour la France caler l'argent. Mais en dépit de ça, et gagné un article qui sorti dans colonne Le Nouvelliste côté que et intervention Edgar Leblanc, yo plus considéré comme yon l'autre bataille que ancien président Aristide li gagné avec idéologie ça que t'a prôné depuis 2004 et 20 ans après, li retourné dans tribune Nations Unies encore. On nous garder déjà vidéo et puis nous pral faire commentaire. Et sous article Nouvelliste. En allez. Monsieur Macron, est-ce que tu vas aller payer la dette d'indépendance à Haïti? Tu vas repayer Haïti? C'est quand que la France va repayer Haïti? La dette d'indépendance, 40 milliards de dollars, monsieur Macron. Quand vous allez repayer cette dette d'indépendance? Monsieur Macron, est-ce que tu vas aller payer la dette d'indépendance à Haïti? Tu vas repayer Haïti? C'est quand que la France va repayer Haïti? La dette d'indépendance, 40 milliards de dollars, monsieur Macron. Quand vous allez repayer cette dette d'indépendance? Voilà. Bon, faire nous t'en dans troisième fois. Monsieur Macron, est-ce que tu vas aller payer la dette d'indépendance à Haïti? Tu vas repayer Haïti? C'est quand que la France va repayer Haïti? La dette d'indépendance, 40 milliards de dollars, monsieur Macron. Quand vous allez repayer cette dette d'indépendance? Voilà. Évidemment, nous sommes en délit. Et Macron n'a pas une réponse. Président Macron pas ba une réponse et parce que
Et ça, c'est un gros dossier. Vous posez un gros bouton de question, mais réponse ça. Il n'y a pas qu'on décide, vous l'avez dit, demain matin, je vais payer, non, moi, non, deux mois. Parce que volume l'argent que la France, journée aujourd'hui, on t'a supposé payer Haïti. En 2004, Aristide demande 21 685 135 000. Parce que je me souviens à l'époque, qui est-ce qu'on a fait? Je me rappelle. Et yo te kon fè nou étudye l pou nan l'examen. Parce que, et fòk nou konnen l, fòk nou genye l par cœur, etc., etc. OK. Et récemment, New York Times sorti article, nan article si la, kote ke yo ta pral essayer réévaluer dette de l'indépendance. Yo ta pral réévaluer nan année 2020 yo. Qui quantité l'argent nous perdu par rapport avec Kobza la France te cassé pour nous prendre. Yo t'a pral passé la 40 milliards de dollars. Donc, journée aujourd'hui, si nous dit 2004, il était 21 milliards et 2020, 2022, il était 40 milliards. Donc, journée aujourd'hui, et gagné bon paquet de considération nos cafés etc. et tout. Sous qui base yo te contrôler l'argent ça, qui formule yo te appliquer, qui formule yo te utiliser. Donc ça, li fondamental. OK? Et nous gagnons yon article qui sorti dans colonne de Nouvelliste. Et article si là, li ta pral mettre en avant idéologie et la valeur que Edgar Leblanc lui-même li reprend. Et c'est une grosse bataille pour famille Lavalas, c'est une grosse bataille pour Jean-Bertrand Aristide, 20 ans après que le témoin de la France paye l'argent pour nous fêter l'indépendance. Et en 2004, nous t'apprenons ouais, véritablement Aristide pour un coup d'État, lié en exil, etc. Nous connaissons l'histoire là. Eh bien, dans l'article ça, pas caché, dis-nous franchement, et il y a un paquet de bagages intéressants qui dit. Parce que pas de monde qui te attend yo dans tribune Nations Unies et devant monde là devant le monde que t'as pral gagner et franchement yon annonce historique comme ça qui t'as pral fait qui t'as pral sorti dans bouche de Edgar Leblanc côté que t'as pral demander yo t'as pral demander pour état et pour la France payer Haïti pour rembourser Haïti et effectivement Edgar Leblanc li fait adresse ça. Mais dans des manchettes dans le blanc, il y a plusieurs considérations qui fait parce que journée aujourd'hui, l'agence ça que la France fait nous payer, l'agence ça que la France casse pour nous le prend, il était ca utile à Haïti derrière des bagages, il était ca faire un pile bagages pour pays. Et dans l'éditorial ça qui porte signature et France Duval, eh bien, yo t'a pral faire konnen, c'est un adversaire historique famille Lavalas en parlant de Edgar Leblanc et qui lui-même lui reprend 20 ans après flambeau Aristide là pour demander et l'argent restitution, l'argent d'aide de l'indépendance dans tribune Nations Unies. Edgar Leblanc qui gagne un parcours dans politique là et Edgar Leblanc qui lui-même l'était actuel président CPTA, était coordonnateur et OPL. Edgar Leblanc li font un discours, yo jugé qui est approprié, qui bien charpenté. Et après 199 ans que yo fait nous payer yon dette, yo fait nous porter yon poids, eh bien, journée jodi an la, nous supposé reconsidérer formule, nous ta supposé appliquer pour mander la France payer nous. Et c'est pas sans raison, t'as pral gon commission et commission universitaire qui mettait campé sous pied et groupe moun sa yo qui a travaillé sur question réparation restitution dette de l'indépendance c'est quel esclavage et bien son occasion franchement pour Haïti pour nous-mêmes et non moment crucial côté n'a mandé le monde entier aide côté n'a mandé moun vinn porter nous secours vinn prêter nous main forte par rapport avec situation difficile qui gagne et bien si gagne moun qui doit nous c'est pas cui n'a porter devant yo c'est pas l'argent c'est pas faveur n'a mandé yo c'est pas l'argent pa yo n'a l'argent pas français yo n'a mandé français yo mais plutôt c'est ça yo doit nous et bien pour yo payer nous nous gagne dans ce ça et docteur James Joseph Didi qui lui-même, hier, il était écrit un petit texte vraiment pour le dire Yannick, mais qui s'est pensé de l'intervention Edgar Leblanc sous question et réparation restitution. Tenez bien, ça m'a dit. La France ne doit pas payer nous parce que nous t'avons flé.
La France pas doit payer Haïti parce que nous t'es ronflé yo. Si c'est parce que nous t'es ronflé yo, nous t'es battu yo, eh bien c'est nous qui t'a doit payer yo. Mais pour qui ça la France doit nous? La France pas doit remettre nous comme là parce que nous t'es battu yo. Mais la France doit remettre nous comme là parce que pendant 300 ans yo fait nous travail sans payer nous yon yota. Donc je ne jodi a ou même qui a demandé réparation restitution, nous supposons bien faire la part des choses. Nous supposons qu'on est véritablement pour qui motif, pour qui raison la France doit payer nous. Si c'est parce que nous t'es battu, eh bien si nous t'es battu, nous pas même besoin payer yo. Si nous t'a payé yo, nous t'a supposé comme si payer yo parce que nous t'es battu, vous comprenez? Et pas pour ça la France doit payer nous l'argent d'aide de l'indépendance. Yo doit payer nous parce que nous fait 3 ans de travail pour yo, yo réduit nous en esclavage, yo pas jamais payer nous yon goud. Et Dizial pour un exemple clair ou clairose pour aider nous comprendre. Li dit si nous t'apprend en moyenne pour pipiti nous t'apprend 500 000 esclaves. Yo mette sous tout Saint-Domingue à l'époque. À l'époque, c'est pas Haïti, c'était Saint-Domingue. Yo mette nous sous tout Ezilea, yo a fait nous travail. 500 000 Haïtiens, 500 000 esclaves. Et nous travaillons en moyenne 16 heures de temps. Pour pipiti dit, yo fait nous travail 16 heures de temps par jour. Et ça qui grave là, pendant 365 jours dans l'année, yo pas ba nous pause yon jour. Pipiti 500 000 esclaves. Pour pipiti, yo fait nous travail 16 heures de temps par jour. Yo fait nous travail pendant 365 jours. Yo fait nous travail pendant 300 ans. Ça veut dire tout esclave yo réuni. Donc mes amis, si nous t'a fait ti calcul ça. Rale calculatrice nous, rale téléphone nous. Dis en moyenne 500 000. 500 000 esclaves. Pour pipiti 16 heures de temps par jour, multiplié par 16. Yo fait nous travail 365 jours dans l'année parce que yo te considéré nous comme bien privé nous, nous pas moun, c'est chose nous yé, c'est objet nous yé, y a fait un travail. Multiplié par 365 et puis multiplié par 300 ans. Li bay yon total de 876 milliards. Si nous t'a dit, on dollar t'a bay 876 milliards de dollars. Didi parete là, non? Didi aller au-delà parce que même au moun qui subit un dommage pénalement, le yo a calculé réparation, le yo a calculé ça yo pral verso comme réparation. Gen des dommages yo considéré là dedans. Dommage émotionnel. Sous subi dommage physique yo calculé. Yo calculé dommage émotionnel. Eh bien di nous pouvons camper là. Non, nous pouvons arrêter dans 876 milliards. Kounye a, le nous mettez dédommagement pour ka viol, dédommagement pour mutilation. Yo kon fouye tout mette esclave yo, vide siro sous tête yo, fè foumi manje yo. Le nous mettez tout ça. Le nous rentre torture yo. Le nous rentre ak inhumain dégradant. Le yo démonise nous. Tout bagay sa yo fè nous subi pendant 300 ans, eh bien kounye a, fòk yo ta rentre dommage émotionnel sa yo, fòk yo ta rentre dommage physique sa yo nan tout calcul yo ta pral fè a. Donc jounen jodi a, fòk gouvernement haïtien, fòk dirijan haïtien yo comprenn. Le vraiment yo pral fè action légale parce que en 2004 les haïtiens devoyé sommation. Faut que tu aies des suivis qui fait. Kounye a 2024, 20 ans après, Edgar Leblanc devant le monde entier, devant le monde là qui braque sur Haïti, li lance appel là, li mande l'argent. Donc kounye a faut gen un calcul qui fait. Comment nous même qui formule nous pral appliquer pour nous calculer? Est-ce que nous pral calculer sous 300 ans? Est-ce que nous pral calculer en moyenne par rapport avec quantité esclave nous estimé ou te kon fait bourriquer? Qui sa formule là pral lié? Parce que là, avec formule ça, que docteur dit James Joseph l'a utilisé là, c'est pas ni en question de 21 milliards, c'est pas ni en question de 40 milliards, mais nous ka aller au-delà de 800 milliards. Yo ta supposé payer nous pour tout tort, pour tout
sacrifice yo fait avec nous pour tout et pour tout traitement mauvais traitement inhumain, pour toute torture infligée nous, pour tout mal yo fait nous. Et en plus de ça, méchant yo a tout fait yo, yo pas gêné, yo pas honte, yo prend l'argent en main nous encore pour yo faire, pour yo reconnaître l'indépendance nous. Donc c'est inconcevable, c'est inadmissible et vraiment si pas rien qui fait de manière légale sous transition ça, eh bien leur on président légal qui monte, un président qui sorti dans l'élection peuvent voter, eh bien faut que nous mettez pression véritablement sur yo pour gagner des suivis qui fait, li te met c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Faut qu'yo paye, faut qu'yo rembourse nous avec intérêt de tout dommage, de tout tort que yo inflige nous dans la question et d'être de l'indépendance. Ça, c'est le deuxième point fort et intervention Edgar Leblanc. Troisième point fort, Edgar Leblanc, li soulevé question insécurité, hein? Li soulevé question et crise multidimensionnelle que Haïti a confronté journée jeudi. Hein? Edgar Leblanc lui fait appel avec haïtien qui dehors pays qui dans diaspora côté le temps d'écrit moun Springfield yo, li temps d'écrit moun Ohio yo, li temps d'écrit moun Turquie Brésil yo, République Dominicaine yo qui tout partout dehors pays. Mais haïtien ça qui quitte pays qui allait al chercher la vie mieux l'autre côté, c'est parce que gon insécurité enragée k'ap valer terrain. C'est parce que gen gang qui fait moun yo pa ka retourner dans pays yo. C'est parce que gen une situation tête chargée qui la cause que journée jodi on nous oblige à courir pour bandi. Et bien dans ce ça, li te lancé un appel avec communauté internationale dans l'ensemble pour jouer rôle pa yo, pour jouer partition pa yo, pour permettre que la paix et stabilité retourne en Haïti. Et bien dans ce ça, compatriotes haïtiens frères, nous gagnons des parlementaires américains, des sénateurs et des députés américains qui ont même lancé un appel à l'administration Biden pour demander yo contrecarrer flux d'armes illégales, volume d'armes avec balles qui rentrent en Haïti, qui sortent aux États-Unis. Eh bien, appel ça, qui gagne un ensemble de sénateurs et députés américains, eh bien, moun qui décide de prendre l'initiative là, son sénateur américain, eh bien sénateur américain ça qui portait nos Chuck Schumer, qui lui-même Chuck Schumer a, et lui-même li gon gros rôle dans Sénat américain, hein? Et eh bien li décidé personnellement pour lui initier demande là par bon côté département d'état américain Homeland Security, pas bon côté et département de la justice aux États-Unis, pas bon côté ministère commerce dans pays États-Unis. Et livre et correspondance, et OK, Chuck Schumer, il est chef majorité dans Sénat République là. Il a adressé appel là, il a adressé correspondance by mini justice Mary Garland, li bay li nan responsable département sécurité intérieure pays là, li voye le bay Alexandre Marocas, li voye le bay Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et voye le bay également Gina Raimondo, qui c'est secrétaire au commerce dans pays États-Unis. Qui ça qui gagne dans correspondance ou doit connait. Dans correspondance là, li voye dit dirigeant américain yo, si nous dit n'ap aider Haïti faire face avec question insécurité, faire face avec question gang, li pas possible pour zam ak bal qui a alimenté gang dans pays, c'est la caille nous sorti. Pour pipiti, gagner 500 000 zam qui en circulation en Haïti et c'est Nations Unies qui deal, c'est Nations Unies qui bail et statistiques ça qui bail chiffre ça. En moyenne, zam yo coûté 400 à 500 $ dans pays États-Unis. Et zam ça qui vient représenter un business, son marché florissant en Haïti, yo rive vendre jusqu'à $10,000 américains. Si nous voulons aider Haïti tout bon, comment se contrôler zam ak bal k'ap rentre sous sol haïtien? Et li mande, faut gagner yon stratégie interagence qui mette kopé pour stopper volume zam ak bal kap kite Haïti pour rentrer États-Unis. Et moun ki ta supposé rentrer fait partie de agence ça, c'est DHS, Homeland Security,
c'est ministre commerce, c'est ministère commerce États-Unis et moun qui gère les questions commerce États-Unis, c'est moun qui dans département de la justice aux États-Unis et également secrétaire d'État américain t'a supposé jouer rôle pâle, jouer partition pâle. Parce que et Chuck Schumer dit son bagage il pas qu'à comprendre. Comment fait marché haïtien, marché crime haïtien, c'est des séries de zam qui très demandé ni États-Unis ni en Haïti. Qui trouve actuellement dans mes gangs? Qui est Zam Zayoye? C'est Gwaka 47. C'est Ayer 15. Et le gen enquête qui mené, yo vin comprendre que gen des secteurs clés qui cachent derrière marché Zam nan, derrière marché Balan, et qui facilite Zam Zayoye sorti États-Unis rentrer en Haïti, alors que États-Unis a débloqué un paquet l'argent pour dilapider Haïti combat gang. Si ou pas bloqué van zam nan, van balan ki soti la kayou, eh bien c'est corvé ou a fait. Tout comme ça aux États-Unis a débloqué, eh bien sénateur et député américain ça yo, yo estimé d'autant États-Unis pas depuis en l'air contrôlé quantité zam ak bal k'ap kite la kayou rentré en Haïti, c'est lavé messie à terre, c'est corvé k'ap fait parce que journée jodi a et yo kabouke fait appel avec force multinationale parler de transformation mission multinationale mais depuis pas gon contrôle préalable qui fait sous zam avec bal yo depuis États-Unis eh bien Haïti pa jam karive résoudre question insécurité a à violence gang kap tourmenter population haïtienne nan côté pour premier trimestre pays d'Haïti et dans pays d'Haïti yo t'a pral compter 789 homicides suivant déclaration secrétaire d'État et secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Donc, cela nous y est par rapport avec des démarches qui entreprennent par bon côté administration Biden, non? Dans la question ZAM et BAL et cap vin alimenter gang dans la coupe pays d'Haïti. Nous gagnons Pasteur Moïse qui parle. Pasteur Moïse, les propositions claires li par rapport avec et on complot li wè k'ap mani gansé k'ap vin la sou pays qui gagne des et dirigeant l'autre pays là dans li mais qui gagne pays voisin comme Major Jean là dedans. Ouè mare sentime avec drapeau pays a comme au moment qui gagne petite garçon de petite fille qui mouri parce que on douleur de tranchement vent. L'armée dominicaine seront dans nos murs. Les dominicains seront dans nos murs à seulement quelques jours. Douleur de tranchement, votre n'est pas grand goût, mais cette douleur de tranchement, c'est ouais, l'anéantissement de notre race par un complot multinational mêlé avec un complot avec des Haïtiens. Et je dis à l'ennemi qui est près de nous, qui parle où est nous, l'armée dominicaine seront dans nos murs. Les Dominicains seront dans nos murs à seulement quelques jours parce que depuis le canal a commencé, eh bien, nous te dit, que Abinadel entrait au Kenya pour la jeune route pour que force multinationale cap gagne m'bral armée dominicaine noyo ou ba uniforme pour entrer puis rentrer en dedans puis écraser tout projet agriculture qui gagne dans pays puis écraser tout ça que nous gagne et jodi a tout haïtien rete bouche paix devant ça qui a passé a parce que les dominicains yo c'est premier gros complice que dans ça qui a passé pays a majorité zam avec cartouche cap alimenter gang yo c'est Saint-Domingue yo sorti. Et je dis à, il a déclaré le clair, ou te déclaré, et bien encore l'armée dominicaine a venu pour le compléter, force multinationale. Multinationale, pas qu'apporter la paix en Haïti. Côté ministre qui était là, côté différent qui était là, au contraire, c'est maladie, au côté pour nous, choléra, il a porté toute forme de maladie pour nous. Je dis à, ça, c'est l'humiliation la plus totale que qu'apporter by nous comme maman liberté. Comme monde qui était même goumé aidé, qui était goumé pour nous retirer espagnol yo, de la partie de l'Est. Je dis à, ou c'est l'armée dominicaine qui entre sur le terrain. Et je dis à ma parler avec embryon la mer. Mais j'aime ça si médiné. Je sens mon tranchement ventre. Je sens mon douleur. C'est où est-ce que je dis à m'obliger à marier cette team. Et bien, ou même qui dans la mer, ou même qui dans le corps police là, je crois que c'est le moment pour révolter, pour que ni la mer, ni la police, pour nous faire seul avec le peuple là, en d'un pays là, pour nous révolter, pour nous chavirer question. Parce que ça, c'est le dernier goût de l'eau qui renverse humiliation. Que n'a prendre rien dans pays a ni d'ailleurs pays a même si m'ai manger pour manger m'pa ka appétit non pa ka comme ça m'pa ka appétit ni que m'pa ka content pour m'd'accord m'pa ka comme ça et Jean Madoche le dit si nous pas lever camper Jean Madoche le dit Esther si nous pas lever camper et bien encore que dans quelques années pas bien ça que les races haïtiennes. Alors est-ce que ça c'est pas un pont qui a créé une façon que dominicain vienne occuper nous
c'est pas un pont, il était créé déjà, c'est que c'est traversé à capette. Si y a puni, ce n'est pas pour nous encore, non, c'est traversé à capette pour non seulement pas même occuper, éliminer nous. C'est pas question de occuper, non, c'est question de éliminer nous. Parce que partie de terre que nous gagnons, il y a trop de richesses là-dedans, il y a trop de mines en balle, il y a trop de bagailles précieux en balle. Ce n'est pas nous, nous qui avons là-dedans. Parce que et d'abord, nous sommes un peuple qui est révolté contre l'esclavage dans le monde. Premier pays noir indépendant qui dit que vivre libre ou mourir. Je dis à pour nous descendre dans la boue sale, ça pour nous descendre dans l'humiliation, ça pour nous descendre. Je dis à sans force et sans soutien, et bien encore que vive l'unité avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasa nos ennemis et nous dit que toute l'église, toute chrétienne en général, à nous combattre au rang de Néhémie. Bible nous nommez nous et paix nous nommez nous pour nous marcher contre l'armée destructeur ça. Ou bien gouvernement, on va prendre ça gouvernement, nous esclave. Est-ce qu'il n'y a pas inspiré confiance par rapport avec des marches d'affaires? Mais attendez, moi je me t'en dis déjà, lorsque vous nous avez que blab passé dans la bêtise, nous connaissons que Haïti pas pour Haïti encore. Blab passé dans la bêtise, ou ayo lancé inscription pour le premier ministre, plus de 200 candidats venir, yo vin avec un Gary Kony ou bien Gary Kany, ou comme on a prendre les Nations Unies, même gens qui ont été pris Gérald Adotti dans les Nations Unies, vin humilier nous encore. Vous comprenez, parce que les gens ne sont pas venus faire travail haïtien, ils ont venu faire travail blanc, ils ont venu faire travail colon. Mais jusqu'à ce que, qu'il ait un plan, une fois encore que destin nous en main, l'histoire écrit, Dessalines nous retrouve pour nous, pour génération ça. Malgré soi-disant des gars de ces petites Dessalines, madame, ils petite de tout à l'étranger, madame fonctionnaire l'État, ils ont tout à l'étranger, petit, ils ont tout à l'étranger, et puis ils ont la pays dans le désarroi, la plus totale, dans le désarroi, la plus catastrophique. Qui est la proposition? C'est que c'est non seulement bloquer toute la rue, bloquer toute institution de l'État et demander pour force multinationale là, en général, aller et marcher, prendre gang yo qui mette le pays comme ça pour que nous libérer le pays, nous, oui, nous capables. Et ça va aller. Merci. Moi, je vois un message là qui est assez grave, côté dominicain, pas trop longtemps, mais dans la cour, nous, pas filière et l'armée et Kenya. Le message, ça comment libérer jeune nous? Message là nous jeunes, bien sûr, sur compte Twitter, président Kenyan Ruto, et c'est ça qui a fait actualité dans le monde. Et non seulement je t'ai annoncé déjà, pendant même canal là, tu as commencé, lorsque Dominique ouais que yo pas de caca canal là, les offrir l'argent, fait tout si magri, pas de caca pel, et bien quand il y a là tout ça, je fais, c'est corrompu toute force qui gagne dans le pays pour rentrer, pour éliminer nous. Après tant de misère, après tant de humiliation que Haïti a passé le Dominicain. Et voici l'armée dominicaine sera dans nos murs, ou bien encore seront dans nos murs dans quelques heures, ou bien encore dans quelques jours. Est-ce que nous sommes d'accord, le peuple haïtien? Est-ce que nous sommes d'accord en bagaille comme ça? Est-ce que nous acceptons une humiliation comme ça, quel que soit le monde? Encore je dis, regroupez-nous partout et ça est là pour nous dire non, avec manchette, nous, avec bâton, nous ne sommes pas d'accord et toute force multinationale là, de quitter le pays, nous-mêmes pour nous prendre destin pays, nous. Amen. Et nous dit que avec brigade, vigilance et nous-mêmes, c'est pour nous sortir depuis Wanamet, pour nous marcher, une fois encore que, pour nous marcher et prendre la mort sans jour, pour nous marcher pour un ISO, pour nous marcher pour un barbecue côté OEA, si vous n'êtes pas d'accord, pour vous renier à job sale que vous avez fait. Parce que nous connaissons ce job sale que vous avez fait. Monsieur, il t'attend pour nous renier à job sale ça. Pour nous comprendre, nous sommes haïtiens, blanc pap, j'aimerais mais nous capons nos âmes, capons nos cartouches pour nous éliminer propre frère, nous propres soeurs, nous. Le temps à tort pour que nous tendez un message que gang yo dit que c'est assez nous déposer des âmes contre le peuple là, n'a pas des âmes contre force multinationale là, n'a pas des âmes contre oligarque yo caché cartouche ban nous caché âmes ban nous pour nous libérer pays là. Sans quoi avenir pays ça était un fatal déjà, mais n'a anéanti et c'est un signe d'anéantissement total pour tous les haïtiens côté nous à travers. Merci. L'église adventiste témoin de Jéhovah déposé haïtien, quelle que soit nationalité, ça son dernier goût de l'eau, yon dernier insulte que yon fait à nous-mêmes pour demander pour l'armée dominicaine vienne sous sol pays ça, pour venir humilier nous, yon l'autre fois encore. Comme yon nation qui goumé, qui bat l'armée de Napoléon, comme yon peuple qui aide Venezuela, qui aide la Colombie, comme yon peuple qui aide États-Unis pour l'indépendance, je dis à nous descendre aussi bas, jeunesse haïtienne. Côté nous y est, partout dans le monde. Et ça fait mal. Avant hier, j'attendais aux camarades moi qui étaient aux États-Unis, qui a dit que comme un jeune haïtien a passé misère avec bec dans dos, il a dormi devant Home Depot aux États-Unis, puis il a cherché travail.
yo humilié nous. C'est un moment encore pour nous renforcer nous ensemble, pour nous dire non, pour nous déclarer de vivre libre ou mourir. Peuple multinational, regardez, et bah, mission multinationale, ça, faut le plier bagage pour y aller. Ça que t'es passé, l'armée française sous Napoléon Bonaparte là, c'est lui pour arriver, parce que la terre d'Haïti, c'est la terre, c'est la mère des terres, c'est la terre de l'indépendance, c'est la terre qui dit que non au système esclavagiste, et bien jusqu'à présent, il a fait payer ça. C'est la raison pour laquelle il a détruit toute industrie, nous, il a détruit toute factory, nous, il a détruit usine sucre, usine pâte tomate, toute usine que nous avons en Haïti, usine minoterie, cimenterie, yo détruit pour yon capable voyer bagay, vendre nous, pour yon fini avec nous. Et je dis à ma bon message tout, bah, ti monsieur, que yon les gangs, que yon bay zam, à sandal nan men. Est-ce que nous pas senti nous honte, monsieur, comme haïtien? C'est nous qui quitte zone la kay nous déprimer comme ça. C'est nous qui yon utilisé pour mettre pays nous dans la situation ça. On n'est pas côté yon mounye, quel que soit passeport côté kagayen, ou pas jam suspend haïtien. Je dis à, ce n'est pas le temps, l'église réveillée. Ce n'est pas le temps encore pour nous continuer à gêner seulement, mais en aller au rang de Néhémie. Parce que dans Néhémie chapitre 4, lorsque Sambalat obligé à dire Néhémie, il n'y a pas construit, Mira et Jérusalem pas construit. Eh bien, Néhémie te dit KPK, construction, pas campé. Néhémie te dit que KPK, construction, Mira et Jérusalem, pas campé. Et Néhémie te dit, peuple là, n'a prié, Zam nous nommé, Pel nous nommé, Tiwa nous nommé. Je dis à l'église, levé comme le seul homme. Non seulement race nous menacer, dignité nous déjà vendre à travers le monde entier, pas que l'autre monde qui a nous dignité encore, pas que l'autre monde qui a nous liberté encore. Côté de Saline, il y a souffri pour nous comment que nous venons des générations de cobayes, une génération de lâches, une génération de monde qui résilie, une génération de monde qui accepte toute bagaille. L'heure est à la révolution, l'heure est à la vraie révolution, parce que tout effort que nous faisons dans notre destin, il faut en perdre du vie. Avec l'armée dominicaine, sous-sol nous, l'heure pas de sous-sol là, yo te qu'on a blagué poison sous jardin nous. Mais qu'on y a yo sous sol là. Mais ça c'est que tout effort que nous faisons en plein temps, les menacer et les en vain, car dans les de quelques jours, l'armée dominicaine sera sur notre sol. À quoi bon de vivre? À quoi bon d'accepter cette humiliation? À quoi bon d'être appelé haïtien partout et ça est là côté nous? Même si tu es venu dans le frigidaire ou tu es gagné n'importe ça, quoi, ou tu as mangé, déposer haïtien, c'est noir, ça nous révolte. Et je dis à moi, c'est que c'est un moment que je paye à pour que le peuple haïtien apprenne ça nous gagner. Dans mes nous pour nous dire que force multinationale retire corps. N'a pas manchette nous, n'a pas bâton nous, n'a pas ça nous gagner pour nous mettre gang dehors. Parce que le peuple là, qui a fait travail là, c'est le moment pour nous prendre conscience. Sans quoi, n'a mourir côté que nous y a. Parce que Dominique, en fait, que démission pour le capable prendre l'île là pour éliminer nous. Et voici, après quelques heures, ils seront dans nos murs. L'ultimatum est lancé dans tout le pays au niveau national et au niveau international. Plutôt nous mourir sur le champ de bataille, t'as mourir comme des lâches. D'abord, Apocalypse 21, commencez le verset. Apocalypse 21 dit que ben, lâche pas entrer dans le royaume ciel. Là. Et c'est la raison pour laquelle un peu le monde pense que y a un monde qui chrétien pas qui doit porter des âmes, y a un monde qui chrétien pas qui doit gourmer. Y a été kidnappé l'eau. Genèse chapitre 14, je crois. Y a été kidnappé l'eau. Il a dit immédiatement. Abraham a mis 318 de ses vaillants serviteurs. Il a goumé, il a libéré l'eau. Et après ça, Melchisedec, celui qui n'a ni père ni mère, et bien encore qui c'est symbole de Jésus qui n'a ni commencement ni fin, et bien encore, il vient dit vaillant soldat, il bénit Abraham après cette victoire et il baille Abraham du pain et du vin. Je dis à quoi bon que nous dormions en bon caille, à quoi bon que nous dominions l'autre pays lorsque le pays nous humilie. Et m'a dit que encore, Néhémie était échanson du roi. Il t'a mangé bien, il t'a boué une fois encore dans le pays des Chaldéens à Babylone. Mais le fait que Jérusalem était dans la honte, Néhémie pas à l'aise. Je dis à et au réveil, m'a pas senti mal à l'aise. M'a pas senti mal à l'aise après nouvelle ça, que nous avons annoncé déjà, nous n'avons pas fait rien. Et c'est la raison pour laquelle que nous dépeuplé nous, pour nous gagner nous partout et ça et là dans le monde, pour nous passer misère. Même j'aimerais même te venir, me d'accord, me descendre à l'ambassade américaine, me remettre papier, me dire blanc, pas la caillou encore. Ou qu'à faire parce que nous ne pouvons pas suspendre ici. There are no better place than home. Leur est à la révolte. Une révolte une fois encore que pour que nous soyons capables de sauver la nation, ça, pour nous capables de créer espoir pour petit nous encore, pour nous dire non, Haïti pas payé. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. On nous a le temps de regarder et Arablan qui jodi en là, l'hypothèse message pour payer.
Et li parle, manchette yon nan men yo papa. Et c'est révolution liée par gen kampe. On va regarder qui sa message à la blan, li te. Chagrin, desalinien, desalinienne, mettez en garde à vous, pour nous attaquer, toute gang, tout assassin, ta vin pris les bouts de terre par des salines. Je dis à l'en dit, nous pas vle dominicain, nous pas vle Kenya tout. C'est pas si vous parlez dominicain et puis Kenya là, le papa dit, c'est manger, on vient manger, ta coup cochon, c'est bafle, on vient bafle. Et s'il le faut, ne pas quitter ton paquet de macaques sous bout de terre par des salines. Parce que les haïtiennes, yo, pas prendre tête. Et puis là, ils ont fini. Je te dis, haïtiennes, haïtiennes, prida. Je te demande, haïtiennes, femmes haïtiennes, prida. Pour ne pas coucher en bas de la yo. Pour ne pas caler Timos. Pour ne pas caler Timakak, Tisinge. Je dis, tout le monde nous connaît. Qui aime le pays, préparez manchette, nous filez manchette, nous debout. Tout le monde qui aime le pays, filez manchette, nous debout. Parce que nous avons un M4, nous avons un M1. Nous ne pouvons pas charbonner, mais au moins nous avons des bouts de manchette pour nous défendre la patrie. Nous avons des bouts de manchette pour nous défendre l'intégrité. Je dis à l'Arabe, engagez nos batailles. Bataille, ça, c'est pour retirer le pays dans sa vie. L'en garder pour nous, c'est même haïtien, haïtienne, qui ne va jamais les récamper, qui fait mascarade ça toujours dans la figure. Moi, je suis battu bravo pour. Et premier président dans les CP qui a fait discours bel, qui discours n'est-ce pas qu'on prend sous nous? Et Galé Blanc, même si son est honnête, mais dans le temps, 9 gangs, 8 gangs, ou même fait 9, qui est-ce qui va le prendre au sérieux? Qui est-ce qui va le prendre le présidentiel là au sérieux? L'en garde pour moi, Gérald Gilles, le qui est l'envolé, Smith Augustin, le qui est l'envolé, Vertilin, le qui est l'envolé. Je veux dire, c'est même Mounsayo qui a représenté nous de tous côtés. Je demande à Gary Koni, est-ce que son travail qu'on a fait là? L'entendez? Chaque membre en CPA a touché 4 millions de goudes, plus 1 million de goudes sous ticket, fait 5 millions de goudes. La fin de 25 millions de goudes chaque mois pour se séparer encore. C'est côté, deuxième résidence qui est payé pour vous. Cause de l'ambil. Il y a presque 6 millions de goudes dans chaque grain de ça, chaque mois. Peuple a plein de langue. Peuple a fait en battante. Tout le monde qui est en battante a souffri. J'allais à manger yo. Tandis que PM Gary Koni bay chaque membre CPO pour toucher 4 millions goud le mois, 1 million goud sous PDM, fait 5 millions goud, la fini gon 25 millions goud encore pour yo bay yo pour yo dépatcha. Gérald Gilles pas contenté non. Gérald Gilles a frappé tout ministère, tout bras de l'État pour yo bali 100 millions goud, 100 millions goud. Est-ce que mon pays qui vandalise? Il y a ces Iso qui gang. Ça, Gérald Gilles lui-même. C'est la big gang. Ça, Gérald Gilles. Ça, Smith Augustin. Ça, Vertilin. Il y a trois volets dans CP. De nos jours, dans notre CP. Edgar Leblanc n'a pas de problème pour Edgar Leblanc arrêter avec le Premier ministre pour rester à mettre la paix. Mais et l'autre, 8 volets, ça, qui dit que c'est crève présidentiel. Ça, après, le monde entier a accepté Edgar Leblanc, oui. Moi-même, si on dit que je suis allé à l'aide de Galé Blanc, d'accord. Parce que quand on est à jeune copier, chaque volet ça, 5 millions de goudes. La fini, 25 millions de goudes pour le départage dans le temps 9 là. Sans compter 4, deuxième résidence, troisième résidence, quatrième résidence. Et peuple à Saline, à côté de rien comme résidence. En bas pour moi, peuple de quartier pour
populaire, c'est pont. En bas, pont qui servit aux résidences. Peuple de quartier populaire, la guerre aux abois. Tandis que l'équipe craie présidentielle a départi. Gary Conny, c'est où qu'on est? Est-ce que ce pays vient vendre net? Est-ce que ce pays vient départi net? Parce que si vous avez des peuples, vous avez des. Vous avez une bataille contre corruption. Pour bail, chaque gang CPS a 4 millions de goudes. Il a touché, chaque a touché 4 millions de goudes. Les fini, il a pu toucher 1 million de goudes PDM. Fait 7 millions de goudes. Les fini, 25 millions de goudes pour le débattre. Peuple a pas gagné 1 yen à même. 20 000 goudes dans les bail pour l'école, ce n'est pas mon cash. Est-ce que tu élèves l'école, tu as venu? Moi-même, sur mon liste, je connais, mais qui est fou, je mais qui m'allait, est-ce que c'est mon école pour mettre dans la liste? Mais qu'on pas quelle liste, c'est regarder. Inscription 1000 gouttes dans toute la ria, oui, non, non. Ou avez inscrit pour 1000 gouttes, là, je viens comme là pour bailler 4-5 000 gouttes. Fait 6 000 gouttes dans 20 000 gouttes, là, oui. Vacabon, je t'ai demandé 6 000 gouttes là-dedans. Est-ce que vous payez? Est-ce que si vous n'avez pas l'école? Moi-même, arabe, moi, engagé dans nos batailles pour aider la société. Je veux dire, je vais mettre mon ADN, arrêter, kidnapper, assassiner, même à mourir en éo! Pour me défendre patrie, pour me défendre pays, pour me défendre pays. Parce que moi-même, je ne peux pas supporter gang. Je ne peux pas supporter kidnapper. Je ne peux pas supporter kidnapper. Parce que, je veux dire à nous, c'est 9 kidnappers qui disent être au créé présidentiel. 9 assassins. C'est même Gérard Gilles qui marche à l'examen de tous côtés. C'est même Vertilé qui marche à l'examen de tous côtés. C'est Smith Auguste qui a marché par les armes tout côté. Parce que Tilapide dit, c'est Claude Joseph qui vend plus de balles, plus d'armes. Qui est-ce qui voyait Smith Auguste? Claude Joseph. Clounia Claude Joseph, tu lui prends faire bataille en face de Gary Conny. Qui est-ce qui touillait Jovenel Moïse? Claude Joseph. Posez un pile lui. Qui est-ce qui assassinait Jovenel Moïse? Claude Joseph. Il ne va jamais arrêter. Elle prend faire bataille contre Gary Conny. Parce que Gary Conny sont le moulot volé par elle. Gary Conny, mettez Claude Joseph derrière là-haut. C'est parce que Gary Conny sur le volet pareil, Claude Joseph. On fait tout le Jovenel Moïse, nous foutons cité dans la mort Jovenel, pour nous assurer qu'on pète mon président. Je veux dire, Arabe, engagez-le pour l'attaquer tout assassin qui parle le pays à marcher. Et voilà. Là, Arabe a parlé de Connell, Arabe a pas bien caché l'obrit, Arabe a vint tout paré, Arabe a vint tout cri. OK, donc c'est créole qui t'a parlé, nous tendez créole parler créole comprendre. Donc voilà, nous tendez pasteur Moïse tout de suite après pasteur Moïse, arabe là bien tombé. Donc mes amis, causé en pile, bagaille yo compliqué non mais non. Et gen dernier déclaration. Moun la présidence moi y a travail pour Edgar Leblanc. Il y a travail pour Edgar Leblanc, c'est posté et déclaration président Edgar Leblanc seulement. Edgar Leblanc a déclaré Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du jour du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice et le respect. Son Excellence Edgar Leblanc fils, dans son discours à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Belle parole. Haïti pas demandé la charité, mais n'a cherché justice avec respect. Hey, tête chargée. Belle parole, mais nous voulons action. C'est action qui pral déterminer est-ce que parole yo vaut la peine. Nous ka bouke parler, mais sinon pas agir pour peuple ouais. Nous cohérent dans ça n'a dit avec ça n'a fait, eh bien c'est lave messi à terre. Nous prenons trop belles discours, nous prenons trop belles paroles qui pour au final c'est temps yo faire nous perdu, pas rien qui régler. Donc je n'ai jodi hein, si Edgar Leblanc voulait pour pays d'Haïti, pour peuple haïtien considérer discours lien, c'est commencer à agir depuis jodi hein même. C'est pas oui c'est vrai Haïti pas chercher charité personne monde. Nous pas chercher pitié personne pays. Nous pas chercher pitié moun encore. N'a cherché justice, n'a cherché respect, n'a cherché on respect que nous méritons même genre avec tout l'autre pays. Principe autodétermination des peuples à décider d'eux-mêmes, à disposer d'eux-mêmes non. Eh bien faut qu'ils respectent, c'est pas parole yo doué seulement, faut qu'ils respectent. Compatriotes haïtiens frères chum, c'est sous paroles, c'est sous déclaration, déclaration célèbre même. C'est sous déclaration président Edgar Leblanc fils m'a quitté nous et jeudi en émission.
Son véritable plaisir pour nous porter information sur la rue pour vous. Restez connecté avec Chanel là. Rendez-vous à l'occasion dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti.